spécial numéro 1, 2 de 8 km et quelques. Après, il y aura un peu plus loin le départ de la 4 et la 6 qui fera que 4 km 800. Et donc ça, c'est le départ donc de la 1 et la 2, juste là. Et dans 3 km et quelques, ça sera le départ de la 4 et la 6. Allez, c'est parti. Le paysage est beau en tout cas. Le fameux balcon est. Ça, c'est très rapide. Arrivé de la gauche, c'était sympa. Là, ça fait un droite vite là, qui s'engage là, taxe, et ça tourne ici, un, deux fois. C'est pas très sale quand même. Kilomètre 1. Kilomètre 2,260. Gauche là, en une fois ici et en deux fois là. Bref, c'est deux virages différents. Là, on va arriver au croisement avec le départ de la spéciale 4 et 6 qui elle fera moins de 5 km dimanche. Une autoroute leur spéciale quand même. Ça n'a jamais été des spéciales vraiment fantastiques sur ces rallyes. Oh. Là ça fait croisement, donc si tu serres à gauche et tu plonges à droite. Ouais, et là c'est le kilomètre 0 pour demain. Pour la 4 et la 6. Sinon c'est le kilomètre 3-5 accès depuis le col de l'Arzelier. La
descente de mémoire est sympa, un peu plus bas. Il y a 2-3 trucs un peu plus sympas. Là, ça fait un droit qui tourne un peu. De mémoire, il y a dû avoir un ou deux passages un peu au frein main ici, léger. Tu vois, les mecs, ils en veulent, ça peut être sympa, mais bon, c'est pas la majorité non plus. Un poil sale. Allez, on reprend. J'ai fait un petit aller-retour pour voir ce droite où la corde est légèrement sale. Mais bon, à mon avis, par 3 gravillons, il n'y aura pas grand chose de plus qui va sortir là-bas. Il me semble que j'avais vu des mecs faire des petits blocages de roues ici. Ça faisait une trace un peu appuyée, mais ça saute pas aux yeux quand même l'intérieur du virage. Quel pays ici, ceux qui viennent là ont une belle vue sur le paysage. Ils voient même les voitures monter en liaison au départ. Petit détail. Freinage. Gauche arrondie. 6,9, non 5,8 pardon, 5,8 km. Non, pardon, 6,3. Poil 7,8. J'ai pas bien pu voir à cause des voitures qui arrivent en face. Et là, ça fait un freinage sur épingle droite. Celle-là, elle est super, super, super large. On doit être au kilomètre 7. J'avais annoncé, moi c'est ça, donc quasiment 8. Et bon, là on est déjà à 8,3, donc il faudrait que je revoie mes informations. J'ai mal lu, désolé. Mes informations sont pourries. Tout à l'arrache.com. Une fois je suis venu ici, bon, 2-3 légers coups de frein. Hein. L'épingle en dessous un peu plus sympa parce que ça fait un léger droite avant.
là, petite droite là, et épingle de droite ici. Voilà. Ce passage là est sympa. Après, il n'y a pas grand chose de plus à se mettre sous la dent. Soyons honnêtes. En sens inverse, Thierry Choulet s'était fait une chaleur avec la GT Turbo ici. Qui peut salir là éventuellement, et oui, le gauche il peut salir, droite, et ça remonte avant le passage de l'arrivée ici, qui est un autre passage sympa. Freinage gauche, gros frein, et droite, ceux qui attaquent sont beaux à voir à passer ici. Plus le fait qu'il y a une belle vue sur toute la descente là-haut, avec les épingles, le pic, le point de vue est sympa. Ok, voilà, fini.